Hello les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne. Je sais, ça fait longtemps, je vais vous expliquer tout ça, mais le thème de cette vidéo c'est qu'est-ce que je pense de la technique de la grille ou du quadrillage en dessin, parce que c'est une question qu'on me pose souvent en fait en commentaire, que ce soit ici, sur Instagram, etc. Donc je me suis dit que j'allais m'exprimer sur le sujet. Donc cette vidéo elle va être en deux temps. Le premier temps, vous allez voir, donc c'est ce que vous voyez à l'écran pour le moment, ça va être une partie pour vous remercier avec un petit cadeau. Je vais vous expliquer tout ça. Et le deuxième, donc vous expliquer qu'est-ce que... Bah déjà, c'est quoi la technique de la grille, pourquoi elle est utilisée aujourd'hui et ce que moi j'en pense. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais en tous les cas, voilà, comme il y a quand même un peu des débats sur les réseaux sociaux à ce sujet, eh bien, ma foi, je vous invite déjà à liker cette vidéo si vous êtes content de me revoir, mais également à me laisser en commentaire qu'est-ce que vous, vous pensez de la technique de la grille, est-ce que vous l'utilisez ou pas. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on va y aller. Allez, c'est parti. Donc, pour la première partie, donc je vous ai dit que je voulais vous remercier. Alors, en fait, vous voyez cet extrait-là, il date du mois de décembre. En fait, je vous avais préparé un beau studio vlog d'à peu près une demi-heure pour le mois de janvier. Il est là, hein, il est tout prêt. Il n'y avait plus qu'à faire une ou deux voice-over. Mais je l'ai procrastiné. En fait, je me suis rendu compte que j'avais juste plus très envie de faire des studio vlogs. En fait, j'aime bien... J'avais envie de revenir à mes contenus précédents où juste je parle et je dessine. Donc vous allez me voir dessiner après. Spoiler alerte. Donc voilà, et puis aussi les mois précédents ont été assez compliqués pour des problèmes perso. Donc voilà, j'ai pas pris le temps, j'étais très fatiguée. Mais bon bref, du coup, comme je disais, cette image là, ce que vous me voyez faire en fait, et c'est là où je voulais vous remercier, je suis en train de préparer des commandes qui ont été faites sur ma boutique en ligne. Et c'est pour ça que je voulais déjà remercier toutes les personnes qui sont allés, encore plus les personnes qui ont commandé, vraiment ça m'a fait chaud au cœur. J'en ai reçu d'autres depuis, donc je suis vraiment très contente d'avoir lancé ce projet-là, contente que certains ou certaines d'entre vous me font confiance. Et du coup, pour fêter un petit peu bah, le fait que je vous montre tout ça, le fait que j'ai cette boutique en ligne et le fait que je refasse des vidéos, eh ben, je vais vous proposer donc en description de cette vidéo un petit code promo sur ma boutique de 40%. Donc voilà, je vais vous mettre le lien vers ma boutique, le code promo, c'est très facile. Et puis voilà, comme ça, s'il y a des illustrations de moi que vous affectionnez particulièrement, je vous invite à la commander. Voilà. Bien, maintenant, après avoir parlé de tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, quelle est mon opinion sur la technique du quadrillage? Alors avant de vous la donner, je vais vous réexpliquer pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la technique du quadrillage. Donc c'est aussi appelé la technique de la grille ou la mise au carreau. C'est une technique qui a été créée à la Renaissance, je crois. Donc à l'époque, c'était juste pour faire de la copie. Hein. C'était des artistes qui avaient des œuvres originales et voulaient en faire des copies, soit à la même échelle, soit à des échelles plus grandes. Vous imaginez bien que quand vous devez peindre tout un pan de mur de la chapelle Sixtine, ils n'allaient pas faire ça à main levée, les gars. Parce que, tout simplement, ils étaient beaucoup trop petits par rapport à la taille du mur. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des quadrillages et ils reportaient à l'échelle et ça les aidait du coup à reproduire leur œuvre originale. Mais donc ça veut dire que c'était des gens qui, avant d'utiliser le quadrillage, avaient quand même un apprentissage très 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 solide du dessin, de l'anatomie, de la perspective, etc. et des techniques de peinture sans le quadrillage. Je vous dis ça parce que c'est très important pour ce que je vais dire par la suite. Aujourd'hui, c'est utilisé un petit peu différemment parce qu'on a des techniques de reproduction qui sont un peu différentes. Alors certains utilisent encore la technique de la grille, bien sûr, mais c'est vrai que quand on veut reproduire une œuvre originale, on peut utiliser par exemple les tablettes lumineuses ou le digital. Donc il va y avoir des techniques différentes. Aujourd'hui, elle a été vachement popularisée par deux choses, cette technique de la grille, pardon, par les personnes qui font de l'hyperréalisme, donc c'est-à-dire qui choisissent une photographie
et qui reproduisent des portraits notamment hyper réalistes, ou sur les tutos d'apprentissage du dessin où vous avez un dessin simple avec un quadrillage devant qui vous permet de reporter les mesures que vous voyez dans le tuto. Voilà, donc ça c'est juste pour la partie très très neutre sur qu'est-ce que c'est que la grille. Mon avis maintenant. Pour être parfaitement honnête, au début, j'étais un petit peu contre la technique de la grille parce que, en fait, c'était comme une frustration ou une injustice. Par exemple, quand quelqu'un qui fait de l'hyper-réalisme sur les réseaux sociaux va poster un dessin et tout le monde va dire « Waouh, ouais, c'est hyper ressemblant, c'est vraiment un génie ce mec, il dessine trop bien », il y a quand même une certaine injustice parce que, en fait, son dessin, par la technique de la grille, a été très très simplifié par rapport à toutes les personnes qui font du dessin d'observation. C'est-à-dire que nous, en fait, on utilise des techniques de mesure qui sont un petit peu différentes. Alors, quand on utilise une photo, par exemple, si on fait une reproduction d'un visage depuis une photo, on va faire comme une grille dans notre tête, mais beaucoup plus simple et qui va nous demander beaucoup plus de concentration. Par contre, si on veut reproduire quelqu'un qui est en face de nous, là, c'est un exercice complètement différent et ça demande vraiment énormément de travail, d'apprentissage. Et du coup, bah, effectivement, notre dessin peut être un petit peu moins réaliste, mais c'est aussi parce que ça nous a demandé un effort bien plus grand et beaucoup plus d'années d'apprentissage. Donc, il y a ce côté un peu injustice. Mais après, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas de l'outil en lui-même, de la grille. C'est-à-dire que, par exemple, prenons Internet, pour vous donner un exemple. Internet n'est ni bien ni mauvais, c'est un outil. Par exemple, on peut l'utiliser pour des choses fantastiques, comme communiquer avec des proches qui sont très très loin dans le monde, ou apprendre plein de choses qu'on ne connaissait pas et qu'on n'aurait pas pu apprendre autrement, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi un endroit où il y a des choses très mauvaises qui se passent. Par exemple, il va y avoir les haters qui vont insulter, il va y avoir des théories du complot, il va y avoir aussi des abus par rapport à du contenu d'enfants qui est extrêmement choquant. Voilà, je peux pas dire trop parce que j'ai peur d'être bannie de YouTube, mais je pense que vous voyez le genre d'horreur dont je parle. Mais tout ça, c'est pas la faute, entre guillemets, d'Internet. C'est la faute de comment les gens l'utilisent. Et pour moi, la grille, c'est un peu la même chose. Alors, je pense que c'est plus une question de connaissance ou de méconnaissance de comment c'est utilisé. Aujourd'hui, j'ai plus du tout... j'ai même un avis positif sur la grille puisque je pourrais être amenée à l'utiliser si j'en ai besoin pour reproduire certaines de mes œuvres originales ou autres. Mais je pense que le point qui est important, c'est que tout le monde ait vraiment les bonnes informations. Par exemple, quelqu'un qui va utiliser la technique de la grille et aucune autre technique de dessin, pour moi, ça ne va pas être quelqu'un qui peut être considéré comme un artiste, mais plutôt comme un artisan. Ça ne va pas être quelqu'un qui va savoir dessiner, mais ça va être quelqu'un qui va savoir reproduire. Pour vous donner deux exemples, mettons que vous suivez quelqu'un sur TikTok qui sait reproduire fidèlement des photos de footballeurs qu'il a trouvées sur Internet. Cette personne a des très très grandes qualités d'artisan, vraiment une maîtrise de son médium, du crayon ou de la peinture à l'huile, peu importe. Mais il ne va pas y avoir pour moi la dimension artistique derrière, c'est-à-dire le choix de la composition, le choix des couleurs, des ombres, des lumières, etc. Voilà, il n'y a pas cette dimension d'avoir une vision artistique. Il y a vraiment, on est sur de la reproduction pure. Et pour moi, ça, c'est plus de l'artisanat, qui est certes à un niveau de maîtrise des médiums bien plus haut que beaucoup d'artistes, d'ailleurs, ces gens-là, effectivement, maîtrisent très bien leur art. Mais je pense que beaucoup d'artistes sont justement frustrés parce que, en fait, on compare les œuvres d'artistes qui essaient d'avoir une vue originale, d'exprimer leur art et d'utiliser des techniques autres, à quelque chose qui n'a rien à voir, quelque chose qui est de la technique de la grille et donc qui n'a absolument rien à voir. Donc on compare deux choses qui sont totalement différentes. Par contre, là où pour moi ça devient de l'art, c'est qu'il va y avoir des portraitistes, c'est un mot compliqué, des portraitistes très connus qui vont
choisir leurs modèles, qui vont les placer dans un certain scénario, qui vont les prendre en photo sous une certaine lumière, avec certaines couleurs, entourés de certains objets, avec une certaine composition. Et à partir de cette photo que eux ont pris ou qu'ils ont demandé à un photographe de la prendre d'une telle ou telle façon, bref, ça reste une composition qui est originale, qui sort de leurs idées en fait. Et elle est là en fait, pour moi, la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, cette technique est utilisée plus pour de la reproduction que pour véhiculer ses propres idées, voilà. Et je pense aussi qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui utilise exclusivement la technique de la grille, ce soit quelqu'un qui sache bien dessiner. Parce qu'en fait, si vous enlevez la grille à quelqu'un qui n'a appris que comme ça, si vous lui demandez par exemple de dessiner un visage ou un portraitiste qui fait plein de portraits mais que avec la grille, si vous lui demandez de dessiner un visage assez détaillé sans la grille, il ne saura pas le faire. À l'inverse, quelqu'un qui sait dessiner, il pourra dessiner de lui-même des portraits et il pourra dessiner n'importe quelle photographie que vous lui montrez, c'est-à-dire qu'il saura faire les deux. Pour moi, en fait, c'est là où il faut vraiment faire la différence. Ça ne veut pas dire qu'il y a une chose qui est bien ou il y a une chose qui est mal. Si vous aimez utiliser la grille et que ça vous fait plaisir et que vous vous sentez bien et que ça vous fait créer et que ça vous fait utiliser vos mains et que voilà, ça vous procure de la joie, allez-y et surtout, après, ça vous donne des compétences incroyable en tant que peintre, en tant que dessinateur au niveau du médium. C'est vrai qu'ils ont des techniques, une maîtrise de ces techniques, moi je suis totalement admirative. Mais si votre objectif c'est d'apprendre à dessiner, si votre objectif c'est par exemple de dessiner d'imagination, alors là je pense qu'il faut que vous fassiez très attention, notamment à ne pas suivre ces tutos qui vont utiliser les grilles et à ne pas prendre comme modèle les personnes qui utilisent la technique de la grille, parce que ce n'est pas eux qui vont vous aider à progresser en fait en dessin d'imagination, en portrait ou en expression plastique originale. Voilà, je ne sais pas si ça a été très clair tout ce que j'ai raconté. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions supplémentaires. Mais en tous les cas, c'était mon opinion à moi que j'ai énormément réfléchi. C'est un outil qui est très bien. Je pense qu'il faut juste que tout le monde soit un petit peu plus, éduqué sur pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, à quels objectifs, et regardez ce qui vous convient, vous, à vos objectifs, si vous avez envie de créer, si vous avez envie d'apprendre à dessiner. Voilà, c'est juste important de connaître les tenants et les aboutissants des techniques qui existent, tout simplement. Voilà, et bien sur ce, cette vidéo est terminé, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que j'ai rien dit du tout sur le dessin que je suis en train de faire. Tout simplement, j'ai décidé de dessiner des monstres marins. Alors, c'est pas vraiment des monstres, c'est juste des poissons, les pauvres, mais ils sont particulièrement originaux, on va dire. Et du coup, j'avais envie de les dessiner. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire un mix entre le dessin traditionnel et le digital. Et ça m'a pas mal plu de faire ça m'a beaucoup amusé. Donc voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça, mais j'ai trouvé ça très marrant. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine va concerner le matériel aquarelle. J'ai une petite surprise pour vous, je n'en dis pas plus, ça va être un test. Et puis voilà, à plus !